communication sur les pratiques des psychologues, leurs méthodes, leurs outils, la validation, la question de l'évaluation psychologique aujourd'hui, comment tout simplement les citoyens, les familles, les usagers, qui est un terme qui n'est pas toujours apprécié, mais qui caractérise quand même le fait qu'il y a des demandes spécifiques de ce côté, de ce côté-là, les attentes, parfois institutionnelles, etc. Comment tout cela va s'ajuster, se coordonner? Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce qu'il y a des crispations? Est-ce qu'il y a des frustrations? Comment aujourd'hui et demain les psychologues vont travailler par rapport justement aussi aux injonctions qui peuvent leur arriver, aux sollicitations, comment on a à y répondre, etc. C'est donc vraiment une approche là dont on va confier l'expression à Marie-Christine Filbert, qui est présidente de la FNASEP, qui est une fédération nationale d'associations de familles et de parents pour les élèves présentant une situation de handicap. Mélanie Gaucher, qui est la présidente de la Commission nationale consultative de déontologie des psychologues. Et puis Benoît Schneider, qui est coprésident de la Fédération française des psychologues et de psychologie. Et que ce regard croisé va nous aider un petit peu à comprendre vers quoi demain on se projette, vers quoi, de quoi demain sera fait par rapport à ces attentes sociales, ces exigences professionnelles et le regard institutionnel. Voilà, donc Marie-Christine, voilà, 7-8 minutes, ce serait bien pour nous laisser un petit peu le temps et des questions et des échanges entre nous. D'accord, bonjour. Donc Marie-Christine Filbert, je suis parent d'une personne en situation de handicap, Émilie, qui a 42 ans et qui vit avec une trisomie 21. Donc je suis présidente de l'AFNASEP, l'AFNASEP créée en 96, qui a association de parents qui en son temps a inventé les auxiliaires de vie scolaire. Aujourd'hui, nous sommes une association, une fédération d'associations de parents majoritairement, et on revendique, notre action est posée pour une école inclusive au sein d'une société inclusive et d'un accompagnement de qualité pour toute personne en situation de handicap. Et ce, quel que soit le handicap. Et donc, la FNASEP est aussi membre du conseil scientifique de la PPEA. Alors, quelques réflexions en préambule, et puis après, je viendrai au sujet. Le terme utilisé de parents, les parents, enfin, pour nous, ça n'existe pas, puisque ce sont des réalités de vie tellement différentes. On en a entendu parler depuis ce matin. Chaque parent occupe une place, revendique une place, et très différemment d'une situation de vie différentes. Et pour ça, et dans vos pratiques, vous savez qu'on n'est pas égaux face à l'arrivée du handicap dans notre vie, dans notre famille. Donc l'importance de reconnaître à chaque parent sa singularité, de comprendre une situation, d'appréhender une situation, de réagir, variabilité aussi dans notre compréhension, dans nos choix. Et cette singularité, sûrement que pour vous, c'est une difficulté, mais elle est quand même nécessaire que vous la preniez en compte. Des relations parents-psy aussi qui sont peut-être historiquement souvent conflictuelles. Enfin, pour les familles que nous pouvons accompagner, ça reste encore quelquefois difficile. Quand il est dit à un parent, il faut faire un bilan psychologique, il faut aller voir le psychologue, ça reste toujours quand même quelque chose de difficile. Savoir aussi que la demande des parents, elle évolue, elle est très générationnelle. Je vous ai dit, moi, ça fait 42 ans et on accompagne des jeunes familles, des parents de jeunes enfants. Et c'est vrai que la demande n'est plus tout à fait la même. C'est vrai que les parents sont empreints des évolutions sociétales, politiques, les textes qui paraissent. Et que pour nous, une société inclusive, c'est une société où chacun aurait sa place et pas une place. Au regard de la prise en compte des attentes et pas seulement des besoins. Alors, pour répondre à la question ou à l'affirmation posée, les attentes des familles pour une évaluation psychologique justifiée et partagée. Je me suis intéressée aux mots que vous avez utilisés. Alors, évaluation psychologique, on en a largement parlé. C'est vrai que nous, à la FNASEP, on avait pris connaissance de la conférence de consensus avec grand intérêt.
Nous regrettons qu'elle ne soit pas assez connue, qu'elle ne soit pas assez connue des psychologues, et notamment dans les préconisations, les recommandations 28 jusqu'à 32 qui concernent la restitution, la communication avec les familles. C'est vrai que moi j'en parle à des psychologues et elle est encore à faire connaître. Je me suis interrogée sur le mot justifier. Alors moi je l'entends comme raisonner, expliquer, argumenter, étayer. Alors, quelles explications sont données, quelles explications raisonnées, étayées sont données aux parents pour accepter la démarche d'évaluation? Comment accompagne-t-on le parent dans cette acceptation et ensuite tout au long de la démarche? Vérifie-t-on que le parent a la connaissance technique de cette évaluation? Ce matin, on nous a dit que pratiquement presque tous les parents en avaient la connaissance. Moi, j'en suis pas vraiment sûre du tout. Je crois que les parents, c'est quelque chose qui leur tombe un peu sur la tête. Et puis, ils ne connaissent pas ce qui va leur arriver ou ce qui va arriver à leur enfant. Est-ce qu'on nous explique pourquoi cette évaluation est utile? L'explique-t-on aux parents? Quels besoins veut-on mettre en avant? Que veut-on mesurer? Que va-t-on apprendre, rechercher, observer? Cette évaluation va-t-elle mettre en évidence des leviers ou seulement des points négatifs? Comment être sûr qu'en tant que parent, elle n'est pas seulement proposée pour déterminer ou justifier une orientation ou un soin dont nous ne voulons pas ou qu'on n'a pas encore mesuré, n'avons pas encore pris la mesure? Comment est considéré le projet de vie que nous avons pour notre enfant? Comment et qui accompagne le parent en sachant qu'accompagner une famille, c'est bien partir de là où elle en est et pas de là où on pense qu'elle en est? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Souvent, nous avons des professionnels qui disent « le parent ne comprend pas, le parent... » Oui, mais le parent, il n'est pas du tout à l'endroit où vous êtes, vous. Il est ailleurs, il n'a pas encore fait tout ce chemin. Alors, effectivement, un cheminement qui demande un espace et un temps, donc quelque chose d'évolutif et de dynamique. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas un jour qu'on ne comprendra pas du tout, mais le besoin de cheminer. Donc, il est nécessaire et urgent de clarifier le besoin du recours à l'évaluation. Et des écarts sont constatés dans les deux sens. Une évaluation abusive demandée, d'une part, et une évaluation parfois complètement absente. Et là, on en a un petit peu parlé ce matin, l'hétérogénéité territoriale est évidente. On a comme l'impression que le droit ne s'exerce pas partout de la même façon. On a eu une question ce matin sur les MDPH qui demande un chiffre. Voilà, c'est pas partout comme ça. Moi, dans ma MDPH, on se contente pas d'un chiffre, on va beaucoup plus loin. Mais comment faire pour que le fonctionnement soit harmonisé et que l'évaluation psychologique, elle arrive au moment où on en a besoin et pas qu'elle soit demandée à tout va et surtout qu'on lui fasse dire ce qu'on a déjà préconçu à l'avance. Le mot partagé, moi, je l'entends comme avoir accès ensemble, avoir une part de et réserver une part à. Pour nous, parents, nous avons à réaliser et à accepter de formuler une demande, une attente, un projet, un soutien, accepter d'avoir un regard posé sur nous, accepter de devoir se livrer, de partager avec d'autres, des étrangers à notre vie, des médecins, des psychologues, des éducateurs, des enseignants. Des professionnels à qui nous allons devoir expliquer, raconter, révéler, mais avons-nous vraiment envie de lever le voile sur tout? A-t-on le droit à l'oubli? Des professionnels à qui nous allons décharger, oui, c'est vrai, ça a été dit ce matin, mais parce que souvent nous n'avons jamais eu personne à qui nous avons eu le temps ni la possibilité de nous écouter. Des professionnels où il va falloir peut-être se justifier, mais au nom de quoi? Le tout autour d'une histoire, notre histoire de famille, enfant, couple, fratrie, autour d'un diagnostic, d'une errance médicale parfois, de doutes, de peurs, mais aussi de certitudes. Alors des questions récurrentes que j'ai envie de vous poser. Que faites-vous de toutes nos paroles? Comment vous, psychologue, partagez-vous avec les parents? Comment organisez-vous la rencontre, les échanges? Comment nous restituez-vous votre évaluation? Est-ce que vous nous dites tout et que réservez-vous aux autres? Comment est reconnue et prise en compte dans les échanges l'expression
l'expérience et l'expertise de vie des parents. Expertise, nous revendiquons ce mot qui est complémentaire de la vôtre. En tant que psychologue, vous allez avoir une part d'information délivrée par le parent. Comment et avec qui en parlez-vous ? Quelles sont les informations utiles et nécessaires à partager et avec qui et comment ? Par écrit, par oral ? Nous demandez-vous ce que vous pouvez en dire aux autres professionnels ? Comment savons-nous que vous ne nous jugez pas ? Des mots comme « à votre place »,« vous devriez », »,« pourquoi n'avez-vous pas ?»,« il faut vous rendre compte ». Comment savoir que vous ne nous disqualifiez pas, parents démunis, parents défaillants, et comment agissez-vous pour nous requalifier ? De qui tenez-vous vos informations ? Que savons-nous des informations que vous détenez ? Et qu'est-ce qui est à vérifier et auprès de qui ? Alors, c'est vrai que l'évolution actuelle du secteur, notamment le secteur médico-social, est en pleine transformation, la transformation de l'offre, hein, on en parle. Des situations de handicap complexes conduisent de plus en plus à des accompagnements pluriels, des temps partagés, des projets partagés. Je citerai la réponse accompagnée pour tous, par exemple, ou des plateformes coopératives qui réunissent des acteurs de cultures professionnelles différentes. Donc, comment partagez-vous ensemble ? Donc pour nous, une vraie éthique professionnelle à partager entre vous, mais aussi avec nous, parents. Et puis aussi à connaître vos pratiques, vos techniques. Mais pour nous, il s'agit tout autant de bien connaître les postures que vous pouvez avoir vis-à-vis des parents et des personnes. Merci. Merci. Merci Marie-Christine pour ce ton direct hein, que je connaissais. Et qui est le regard très important, hein, qui nous interroge effectivement sur comment les psychologues sont aujourd'hui perçus du côté de ceux qui les rencontrent, parfois de mauvais gré, comme c'est justement soulevé. Hein. Et je pense à une phrase, ou en tout cas une idée de Sophie Cluzel, qui est aujourd'hui, qui a été présidente de la FNACEP, après vous, et en même temps avant vous, et qui ne comprenait pas, pour m'envoyer à plusieurs reprises, certaines fois des comptes rendus de collègues ou des exigences de MDPH pour des enfants, par exemple, trisomiques, à qui, sous prétexte de la révision tous les 2 ans, on demandait un énième bilan psychologique ou bilan psychométrique et que son interrogation portait là-dessus. Hein. Considérable. Donc, on a besoin de votre regard pour comprendre aussi, bien entendu, les personnes avec qui on a besoin de partager des expertises, tout simplement. Voilà, Mélanie. Donc, on va placer votre PowerPoint. Merci. Donc, moi, je viens vous parler au titre de la CNCDP, donc la Commission nationale consultative de déontologie des psychologues, dont je suis la présidente. J'ai mis donc effectivement que j'allais m'insérer dans ce dialogue des attentes des familles au regard de la CNCDP, c'est-à-dire que nous n'avons pas un regard qui peut être exhaustif ou totalement objectif, puisque nous recevons des demandes, effectivement, d'usagers, parfois de psychologues, mais c'est plus rare. Et ces demandes, on est conscient qu'elles ne reflètent pas forcément la totalité du travail des psychologues, la diversité non plus de ce que peut faire le psychologue. Alors, un petit mot de la CNCDP, parce que je ne sais pas si dans la salle vous êtes nombreux finalement à nous connaître. C'est une commission qui existe depuis 96-97, c'est-à-dire qu'elle a été créée en même temps que le code de déontologie de 96, qui a été révisé en 2012 et qui est le code sur lequel on va se baser pour émettre des avis. Notre but, c'est de protéger le public et les psychologues hein, contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de méthodes ou de techniques se déclarant abusivement de la psychologie.
Cette commission, elle est essentiellement aujourd'hui supportée financièrement par la FFPP, même si elle se veut indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus... tout psychologue peut s'adresser à nous. Ce n'est pas seulement pour les psychologues adhérents à la FFPP. Donc on a environ 20 avis qui sont émis par an, que vous pouvez retrouver sur le site de la CNCDP. Alors pourquoi des avis ? Parce qu'on a des usagers, voire des psychologues, qui vont nous demander, qui vont nous exposer une situation et qui vont nous dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez au regard de la déontologie de cette situation-là ? Pour des chiffres récents, donc en 2017, c'est à peu près 50% de nos demandes qui concernaient des évaluations familiales ou d'enfants, ou... Parfois, c'était pas, la finalité n'était pas normalement l'évaluation, mais c'était ce qui s'était passé plus ou moins concrètement dans les entretiens. Souvent, ces demandes-là sont sur le contexte d'un conflit parental, d'un divorce ou d'une séparation, et donc de deux parents qui se disputent une résidence d'enfants et de deux parents qui souvent ne s'entendent plus, hein, d'où le divorce. Et c'est vrai que ça complique davantage les choses. Donc, effectivement, ce sont... ces situations-là qu'on a le plus souvent, et bien sûr, ça ne reflète pas la totalité des situations. Alors, il y a trois domaines sur lesquels, finalement, se cristallisent souvent nos demandes, hein, de la part donc des usagers, souvent des parents. Ces domaines, c'est soit du côté de la demande, qu'est-ce qui a été demandé au départ et comment le psychologue y a répondu, ou alors... les entretiens, ce qui s'est passé dedans, donc l'évaluation avec ou sans test. Là, je vais élargir effectivement l'idée, pas forcément que de l'évaluation de la déficience intellectuelle, mais l'évaluation globale de l'enfant ou de l'adolescent. Et aussi la transmission, mais dont je parlerai pas trop là, parce que je sais que Robert va en parler un petit peu tout à l'heure. Alors, j'ai essayé d'être schématique et synthétique. Voilà, dans la demande, qu'est-ce qui pose problème pour les familles que nous, on perçoit, eh bien, parfois dans leur demande, elles demandent à rédiger un document. Et souvent, c'est cette rédaction même qui va poser problème au psychologue. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire ? Qu'est-ce que je ne dis pas ? Et comment je l'écris ? Alors, la première chose que je voulais rappeler aujourd'hui, c'est que dans certains cas, pas tous, bien sûr, mais le psychologue a la possibilité de refuser d'écrire quelque chose. Je parle notamment d'attestation qui serait demandée par un parent, mais pas forcément ni par la justice, ni par une MDPH, ni quoi que ce soit. Donc, parfois, il faut pouvoir refuser effectivement d'écrire, mais bien sûr, il faut expliquer ce refus. Hein. J'y reviendrai sur... J'ai bien noté ça tout à l'heure. Si vous acceptez d'écrire, alors le code de déontologie peut vous aider effectivement à savoir pas ce que vous devez écrire, mais quelle forme cela doit prendre et quelles précautions, notamment l'article 20. Alors, le PowerPoint, il sera bien sûr en ligne un peu plus tard, et j'ai mis à la suite les articles dont je parle en ce moment. L'article 20, il vous dit de manière formelle ce qu'il doit y avoir. Alors, le numéro à délit, votre identification, tout ça, c'est bien connu des psychologues en général. Par contre, il y a quelque chose sur lequel moi je voulais vous sensibiliser aujourd'hui, c'était l'intitulé du document et du coup quel est le but assigné à ce document. Une attestation atteste de faits factuels. J'ai vu le petit Mathieu trois fois par semaine, tel jour, tel jour, tel jour, pendant X mois. Ça c'est factuel, cet objectif, ça peut faire l'objet d'une attestation. Dès que vous mettez de l'évaluation psychologique, des éléments effectivement, du psychisme de l'enfant, ce n'est plus une attestation. Ça sera une note d'observation, un compte-rendu, peut-être un bilan complet, hein, et de plusieurs pages. Mais il y a souvent, effectivement, des discussions de la part des parents parce que c'est une attestation, qu'on s'attendait à quelque chose de factuel et que finalement, le psychologue s'est autorisé à donner parfois même le diagnostic de l'enfant. Donc ça revient très, très souvent pour nous dans les demandes. La prise en charge d'un mineur, alors globalement, nous, ce qui nous revient le plus, c'est peut-être pas ce que vous avez le plus souvent, c'est le fait que la demande va venir d'un seul parent et que l'autre va pas forcément, surtout si c'est une situation de séparation parentale, ne sera pas forcément au courant, voire même ne sera pas d'accord sur la prise en charge de l'enfant. Donc notre article 11 nous dit effectivement que vous devez essayer et avoir normalement l'accord des deux détenteur de l'autorité parentale pour pouvoir faire une prise en charge
je dirais quelle qu'elle soit, hein, psychothérapeutique, bilan, etc. C'est vrai que la loi française nous dit que normalement un seul détenteur suffit, mais nous on a été un petit peu plus loin dans le code. Et c'est souvent cela effectivement qui va poser difficulté. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, effectivement, l'information préalable des parties. Informer les deux parties, si vous n'avez pas les deux parents en même temps en face de vous, dans le bureau. Voilà, quelle information. Et effectivement, je rebondis sur ce que j'ai entendu qui me paraît très, très juste. C'est-à-dire que souvent, les usagers nous disent « j'ai pas été informé ». Nous, on n'est pas en mesure de savoir s'ils n'ont pas été informés ou s'ils n'ont pas été en mesure de percevoir l'information au moment où on leur a donné. Peut-être qu'ils n'étaient pas effectivement en mesure, disponibles, réceptifs, pour à ce moment-là bien comprendre ou bien entendre toutes les informations. Et puis un entretien, ça dure longtemps, il y a beaucoup de choses. Donc, on peut aussi avoir oublié des parties. Donc je vous invite à réitérer vos informations souvent et à la demande. Et puis parfois, le cas de la demande d'un juge de faire une évaluation psychologique d'un enfant. Et là, ben, la plus grande prudence, hein, notre principe 6 notamment, les articles 17, oui, la plus grande prudence pour répondre à la question que le juge a posée, ou aux questions, hein, des fois il y en a plusieurs, et pas plus. Bien sûr, après discernement, comment je réponds à la question et de quelle manière et comment je lui formule les choses par rapport à ce qu'il attend. Mais souvent, dans les avis qu'on reçoit, encore une fois, pas forcément souvent dans la pratique générale, mais souvent, effectivement, ce qui revient, c'est que le compte-rendu qu'on a fait pour le juge va au-delà des questions qui étaient posées par le juge. Alors, aussi, quelque chose que je voulais dire aujourd'hui qui me semble très important, c'est qu'on a le choix de la méthode. Ça va me permettre d'enchaîner sur la suite. Le principe 3, notamment, nous dit qu'on a le choix de la méthode, l'autonomie, etc. Oui, mais ce qui semble très important si vous recevez un enfant et qu'il n'est pas... voilà, on a un couple derrière qui n'est pas soudé, c'est effectivement de privilégier, si c'est une évaluation familiale, un temps relativement identique pour chacun. Ça, c'est quelque chose qui leur revient et qui va nous dire ça n'a pas été impartial, l'évaluation familiale ou de l'enfant n'est pas impartiale parce que maman a été vue avec l'enfant 3 fois et moi, papa, j'ai été vue que tout seul, sans mon enfant. Donc comment pouvez-vous dire quelles sont les relations que j'entretiens avec mon enfant puisque vous ne m'avez pas vue avec l'enfant? Ou alors, vous m'avez vue mais une seule fois alors que maman a été vue 3 fois avec l'enfant. Donc même si techniquement, on ne peut pas dire qu'on est impartial sur ce simple critère-là de combien de temps j'ai reçu chacun et combien de fois. Je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit, que pour beaucoup de personnes, ça restera un critère sur lequel ils vont se baser. Et enfin, rapidement, la confidentialité des propos que j'ai entendu aussi hein, dans votre intervention tout à l'heure, effectivement, à la fois faire comprendre aux parents qu'on, si on a reçu l'enfant seul, on ne peut pas leur faire un compte-rendu exhaustif de ce qui s'est dit, parce qu'il y a effectivement une alliance thérapeutique qui est basée sur cette confidentialité. Et en même temps, effectivement, donner suffisamment d'informations aux parents pour qu'ils puissent comprendre notre démarche, comprendre ce qui se passe, peut-être aussi quand l'enfant revient d'entretien et qu'il dit des choses ou qu'il ne dit pas certaines choses, comprendre un petit peu cette démarche-là. La méthode d'intervention, le mode d'intervention, là aussi, hein, j'en parlais tout à l'heure, beaucoup de discussions. Pourquoi vous choisissez ce mode-là d'intervention? Pourquoi vous allez procéder de cette façon-là? Globalement, dans les retours que j'ai, moi, à la CNCDP, les outils utilisés ne sont pas trop remis en question. Par contre, effectivement, comment on fait le compte-rendu du bilan, ça pose ce problème. Et le fait de rapporter des propos, donc là aussi, dernière chose qui me paraît sur laquelle je voulais vous rendre attentif, c'est notamment cet article 13 qui dit que vous pouvez avoir des avis sur des situations que vous n'avez pas vues, mais vous ne pouvez pas porter d'évaluation psychologique sur des personnes que vous n'avez pas rencontrées. La limite entre l'avis et l'évaluation psychologique n'est pas forcément toujours très claire pour les usagers qui ne connaissent pas même nos termes peut-être ou nos rouages. Donc c'est vrai que là aussi, il faut, je pense, être très pédagogue, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, avec les familles, et leur dire jusqu'où, effectivement, on peut aller quand c'est une évaluation psychologique et quelles sont les limites de ce travail-là si je n'ai pas rencontré les personnes dans la relation, par exemple, de l'enfant avec son père ou sa mère. Si je n'ai pas rencontré le père, je peut-être pas aller jusqu'à une évaluation psychologique parce qu'effectivement, je n'ai pas rencontré, je n'ai pas constaté moi-même.
Voilà, donc c'est un petit peu la synthèse de ce que je pouvais vous dire rapidement. Je vous ai mis à chaque fois donc, les actes de la CNCDP, puisque tous les 2-3 ans, on organise une journée d'études thématique autour de la déontologie. Donc il y en a un sur les écrits, notamment, qui peut vous aider à rédiger, qui est quand même source d'information. La prochaine, j'en profite pour faire de l'autopromo, bien sûr, oui. La prochaine journée d'études, elle aura lieu en mars 2019 de la CNCDP sur Paris. Et elle traitera notamment de la déontologie et surtout entre autonomie et contrainte. Donc comment le psychologue s'y retrouve entre les contraintes, qu'elles soient institutionnelles, pratiques ou autres, ou de l'urgence aussi. On traitera des questions de répondre vite et la liberté que l'on souhaite quand même maintenir dans nos pratiques. Voilà. Merci. Merci, Mélanie. Benoît, au titre d'une fédération professionnelle, fédération de psychologues, voilà la question de ce thème sur l'évaluation justifiée, partagée. D'abord, merci Robert pour cette invitation. Et puis, on l'aura compris, au titre d'une fédération, peut-être la voix avec laquelle je vais intervenir, c'est sans doute une voix un peu militante, une voix militante au titre de la psychologie et des psychologues, étant entendu que les uns et les autres sont au service d'abord des personnes, des usagers, des... Rapproche bien le micro. Auxquels on a affaire et que l'on essaie de prendre en charge, avec lequel on essaie de collaborer. Robert, dans son introduction tout à l'heure, a posé une question où il a dit... que ça clorait certainement ses journées en s'interrogeant sur de quoi demain sera fait. Et j'ai bien envie de répondre, de renverser la question, de la transformer, de la détourner, en tout cas de lui donner une autre formulation, en disant quel sera ce que nous en ferons, comment on peut contribuer à ce que cet avenir se construise avec nous et tous ensemble. Et il y a du chemin à parcourir. Alors, pour essayer de donner un fil rouge aux propos rapides que je vais essayer de tenir, on peut se référer aux trois petites indications que j'ai données en référence bibliographique. Il y en a une première qui est de Henri Fèvre, qui est un parent d'enfant et qui renvoie un texte qui date de 2006 et qui évoque donc la place des parents et le rapport des professionnels aux usagers. Le deuxième texte renvoie à la question de la Corelli, de la déontologie, on y reviendra, et puis ça se conclut par une référence à la conférence de consensus. Je terminerai mon propos avec ça, puisqu'il en a été question à plusieurs reprises, et que c'est sûrement une des voies importantes pour se devenir à mettre en œuvre. Alors si, en réalité, j'avais un peu plus de temps, c'était mon propos initial, mais le temps est compté, il s'agit aussi qu'on échange, j'aurais aussi introduit mon propos à la suite d'Henri Fèvre, peut-être par une réflexion justement sur les rapports entre psychologues, entre psychologues et usagers, et familles, et parents. Et on voit bien même que la formulation qui a été donnée à cet atelier est pleine d'implicites et de questions. Est-ce qu'il s'agit de familles et d'usagers? Est-ce que ce sont des personnes différentes? Les enfants sont-ils des usagers? Quelles sont les articulations entre ces niveaux? Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, voilà des questions complexes. Mais peut-être aussi, c'est une remarque que je ferai à l'écoute de ces journées, c'est que si on a eu, et Dieu sait si j'ai beaucoup appris aujourd'hui, un regard sur cette question de l'évaluation, sûrement que d'une certaine façon et à certains égards, les familles, à mon sens, sont peut-être restées un peu transparentes. On est là en termes d'évaluation, on a été centré très sur l'enfant, et peut-être que le rapport aux familles a été évoqué ici ou là. Par petites touches, il y a eu des apports tout à fait intéressants dans la problématique de l'entretien qu'a initié cette journée. Il a aussi été question, et c'est une autre voie que je reprendrai, celle du cadre à partir duquel le psychologue se pose dans son rapport aux familles et aux enfants. Mais peut-être que, au-delà de cette évaluation individuelle, non pas la préoccupation que les psychologues ont vis-à-vis des usagers, des enfants ou des parents, mais dans la problématisation de cette question, on est peut-être resté un peu en deçà. Et une lecture qui pourrait étayer ce regard consisterait à la suite d'Henri Fèvre. On aurait pu reprendre un autre texte qui est un texte de Christine Philippe dans un même numéro de la même revue qui fait une lecture en quelque sorte historique à la fois des textes administratifs et du regard des experts sur la transformation des rapports entre famille et institutions.
Et on voit très bien apparaître qu'on ressort là, on met à jour une dynamique extrêmement complexe sur 30 ans, qui prend ses sources, comme on le rappelle et il l'évoque, à la suite des fondements de l'approche psychanalytique qui avait une grande place en France, c'est un rapport aux familles extrêmement douloureuse, parce que posé dans un rapport de culpabilisation, combien les progrès qui se sont fait jour, à la suite par exemple des textes de 75 ou des circulaires des annexes 24 qui ont suivi, combien on a une transformation progressive, à la fois qui montre des avancées majeures en termes d'invitation à la collaboration, en termes de participation, mais combien en même temps que les textes marquent effectivement des ruptures importantes, combien dans le même mouvement et dans ces mêmes circulaires, on voit un certain nombre de réserves, d'appréhensions, de difficultés de la part des professionnels pour réellement faire place aux familles. Et s'il s'agit dans ce moment-là d'une invitation, le moment suivant qu'évoqué, c'est celui des textes de 2005, où on voit à nouveau une rupture fondamentale qui est celle d'une introduction d'un rapport contractualisé avec les familles, qui est fondamentalement nouveau parce qu'on n'est plus dans une simple invitation, mais on est dans une forme de partenariat, mais de partenariat institutionnalisé, combien là encore, malgré ces avancées, la difficulté pour les professionnels d'intégrer cette posture et pour les familles de réellement de place du point de vue d'apprendre du point de vue de leurs droits, là encore, on voit bien des difficultés qu'on retrouve, et c'est ce qu'elles montrent, les réserves, par exemple, dans le regard que les experts portent sur ces situations, hein, par exemple, sur ce rapport contractuel, les interrogations qu'on retrouve sur une vision de ces parents qu'on verrait tout d'un coup comme des professionnels. Peut-on en même temps être professionnel et en réalité être objet de soins ? Voilà des interrogations qui sont des vraies questions, mais qui tout autant étant des vraies questions, manifestent aussi de la part des professionnels une difficulté à travailler et à changer cette posture. Ces textes de 2005 ou cette lecture de 2006 qu'en faisait Christine Philippe, indiscutablement, 10 ans plus tard, elle devrait être reprise, elle peut être reprise, elle doit être prolongée et elle prend des habits nouveaux. Mais on voit bien, au bout du compte, avec des éléments nouveaux, combien c'est en permanence une situation en tension qui demeure. On n'est pas dans une situation dommageable au début et une avancée, une terminaison. On est dans une problématique en permanente construction, mais peut-être que si j'ai fait référence tout à l'heure à la conférence de consensus sur laquelle je vais revenir, j'ai été regarder à l'occasion du propos d'aujourd'hui quelques textes et quelques ouvrages sur l'évaluation. D'une certaine façon, ils ont complété ou conforté mon regard. Par exemple, si je prends l'ouvrage de la conférence de consensus, quand on regarde les recommandations qui ont été citées à plusieurs reprises, on voit effectivement une place des familles, mais en réalité qui reste assez discrète. Quand on regarde l'un ou l'autre chapitre, je n'ai pas le temps de vous les citer tout de suite, on voit bien à nouveau qu'on est dans des formulations assez brèves et généralistes quand il est question du rendu compte et de l'approche vis-à-vis des familles. J'ai repris aussi, par exemple, comme texte, un ouvrage de Catherine Tourette qui est consacré justement aux enfants déficients et qui développe un grand nombre d'outils. Je vais être extrêmement modeste en évoquant ces auteurs, parce que Dieu sait s'ils nous ont apporté des choses, et Dieu sait si j'ai la conviction dans leur pratique personnelle, la place des enfants et des familles était majeure. Simplement, ce que je lis à l'aune de leurs textes destinés aux psychologues, et en particulier aux psychologues en formation, cette question de la problématique de la rencontre n'est pas posée. Je prends un ou deux exemples pour montrer ce qui pourrait, à mon sens, se ramener à une sorte d'axe orthogonal qui serait d'un côté les familles et les professionnels dans le jeu de tension qu'induit le rapport. J'évoquais tout à l'heure cette question de la collaboration, du partenariat ou bien du soutien thérapeutique. On voit bien que c'est une dimension duelle qui croise aussi le jeu institutionnel. A-t-on beaucoup entendu aujourd'hui, on a entendu dire des choses, mais on voit bien que ça n'est pas questionné en tant que tel, dans quelle institution on est, quelle place on a au sein d'une équipe qui nous paye, qui paye à un moment donné le rendu compte. Et on sait parfaitement que les modalités d'institutionnalisation de la demande, de leur prise en compte, de l'orientation par rapport aux institutions construisent de façon fondamentale ce jeu de l'évaluation. Alors ces questions-là, à mon avis, je vais essayer de les reprendre de la façon suivante pour aller avancer vers le fil de mon parcours, mais pour essayer de se dire comment on peut essayer effectivement de construire des choses. À mon avis, trois grandes questions ou quatre, et ensuite j'emboîte sur la conférence de consensus. Je viens d'évoquer rapidement la question de la formation et des étudiants. Quand on voit effectivement la formation à la pratique de l'évaluation, je crois qu'une dimension de réflexion
précisément sur ces enjeux doit davantage émerger et elle demande du travail. Je crois que tout simplement, si on en parle peu, c'est qu'on ne l'a pas construit suffisamment et collectivement. Les étudiants, c'est l'avenir, et les jeunes professionnels aussi. Je ne m'attarde pas sur le code de déontologie, mais on a trouvé une mention dans les textes que j'ai référés, un petit texte sur la Corelli, c'est un dispositif interne à la FFPP. La Commission nationale de déontologie est consultative. On a mis au point un dispositif au sein de la FFPP qui engage la responsabilité des psychologues. Il s'agit surtout de les accompagner et de les aider dans leur démarche déontologique, parce qu'on les voit souvent, et ça a été montré par Mélanie, en difficulté du point de vue de leur relation à l'évaluation et dans le rapport d'attente aux familles. On doit se soutenir mutuellement, en même temps que c'est délibérément une démarche d'engagement de grande responsabilité vis-à-vis des usagers. Troisième dimension qui me paraît majeure, puis on l'a vu aussi apparaître et ça a été dit, c'est quelque chose que j'intitulerais « s'inscrire dans les institutions ». Il y a quelques années, à l'occasion d'un colloque là, de développement, j'avais fait un topo sur la psychologie du développement dans son inscription institutionnelle, justement. Puis il y avait un paragraphe qui s'intitulait « L'inscription et la visibilité institutionnelle des psychologues du développement », en quelque sorte, enfin, dans ce contexte. Et j'avais remis en sous-titre « Des psychologues invités et des psychologues qui s'invitent ». L'idée, c'est quelle place on prend dans les institutions qui guident, qui orientent, qui construisent les systèmes de soins. Où est-ce qu'on en est par rapport à la place qu'on prend quand on est, ici on peut mentionner la conférence de consensus, qui est un dispositif propre à la psychologie, mais il y a la HAS, il y a une série de hauts comités, il vient d'y avoir, ou il y a eu quelque temps, même s'il se transforme, un Conseil national de la santé mentale qui disparaît et puis qui va être recréé en autre chose. Voilà, il y a un haut conseil de l'enfance, la famille et l'âge qui vient de mettre en place un groupe sur la question du handicap. Est-on invité? Quelle place prend-on? Comment construit-on cette place au sein des modèles d'invitation dans lesquels on doit figurer? Et moi, l'histoire est encore longue à construire pour qu'en tant que psychologue, en tant que groupe professionnel, en tant que savoir collectif, on ait suffisamment de place. S'inscrire dans les institutions et, c'est en continuité, travailler nos relations avec les usagers. Tout à l'heure, j'évoquais la façon dont les questions d'il y a 10 ans se transforment. Ça a été mentionné aussi ce matin, la parole des usagers en termes d'accès à la citoyenneté. J'ai noté que dans la journée sur la déficience que tu as évoquée, il y avait des associations d'usagers en situation de handicap eux-mêmes. Voilà les nouveautés dont on doit se saisir et qu'on n'a pas suffisamment traitées ou abordées. Là, il y a là des questions majeures. Si je glissais rapidement la question des nouvelles technologies, elle ouvrirait encore de nouveaux abîmes dont on voit bien que les constructions sont en permanence à transformer et à renouveler. Je finis et je reviens enfin sur la conférence de consensus. Quand on a eu un petit échange au téléphone avec Robert pour prendre contact au sujet de la participation à cette journée, en 2-3 mots, je lui ai dit, on a vite été d'accord sur cette idée, c'était après tout cette conférence de consensus dont on avait mis la démarche en route en 2008, qui s'est conclue par une journée nationale en 2010 avec des actes publiés en 2011, si mon souvenir est bon. Voilà. Que devient-elle 10 ans après? Quelle belle occasion on a effectivement de la reprendre, cette conférence. Et je me suis amusé tout à l'heure, et heureusement que je n'ai pas fait de PowerPoint, parce qu'entre les notes que je m'étais prises et mon écoute de la journée d'aujourd'hui a allongé ma liste, mais je crois qu'on peut envisager d'emblée, et si vous avez l'occasion de regarder le plan de cet ouvrage, on peut vraiment le transformer. Comment on pourrait transformer ce bilan de l'époque 10 ans après? On vient, et Robert l'a dit tout à l'heure, ou c'est vous qui l'avez dit, il y a eu des recommandations, voilà. Que sont-elles devenues ces recommandations? Sont-elles enseignées à l'université? Les professionnels les connaissent-elles? Quelles modalités de diffusion? A-t-on utilisé tous les moyens? À coup sûr, il faut reprendre cette question. On peut sûrement aussi revoir chacun des chapitres dans leur contenu. Je pense par exemple, puisqu'il y a eu un exposé ce matin, à cette question de l'interculturel qui faisait l'objet d'un chapitre complet. D'autres aussi pourraient être pris à l'aune, on le voit, des connaissances accumulées depuis 10 ans, puisqu'on a eu plusieurs exposés majeurs aujourd'hui sur cette question. Mais sûrement de nouveaux chapitres sont à ouvrir, ça j'en suis sûr. Voilà la question de ces évolutions citoyennes qui n'existent pas. Je mentionnais tout à l'heure cette question de la problématisation du rapport aux usagers, elle n'apparaît quasiment pas dans cette question, et je crois qu'on doit s'en saisir. Et peut-être que si je devais simplement proposer
Robert, ce matin, a fait une allusion, je ne sais plus si c'était dans un contexte plus public, non, c'est en public qu'il l'a fait, sa question du regard sur l'étranger. Comment on a souvent un regard très, très centré sur nos positions nationales qui sont construites à travers de nos connaissances, souvent internationales, mais de nos dispositifs organisationnels nationaux, comment s'approprier la façon dont procèdent nos voisins. Et je crois que si je devais terminer avec un dernier point, et je m'excuse si j'ai pris un peu de temps, une dernière question qu'on devrait aborder à l'occasion de cette conférence de consensus, c'est d'une certaine façon en transformer le nom, parce qu'une conférence des consensus, c'est un état des lieux, à un moment donné, un bilan avec ses propositions de recommandations, mais elle devrait à coup sûr intégrer d'une certaine façon cette démarche de suivi permanent. Une conférence de consensus et d'action, la formulation reste à trouver et à inventer. La liste que j'ai faite là n'est qu'invitative et incitative. Elle n'est sûrement pas close, mais j'espère qu'on aura l'occasion, entre organisations et ici en collaboration, à reprendre cette expérience majeure. Merci. Merci, Benoît. Ça peut s'appeler aussi états généraux, mais voilà une première idée. Peut-être les trois collègues, qui vont poser la première question et puis ensuite la salle pour quelques minutes. Voilà, si vous voulez interréagir, Marie-Christine, Benoît et Mélanie, entre vos propositions, une minute chacun sur le point qui vous paraît le plus sensible et à discuter. Ce que je retiens de ce qu'a dit mon voisin, c'est la formation des jeunes professionnels. Et il y a des recommandations qui sortent aujourd'hui pour la participation. Alors moi, le mot usagé, il me fatigue. La participation des personnes. Voilà, parce qu'avant tout, ce sont des personnes. Donc la participation des personnes, des familles, des associations représentatives dans la formation des professionnels. Je crois que si on arrive à ça dans les différents corps de métier, mais le vôtre, on aura réussi quelque chose d'important. Merci. Mélanie. Moi, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, effectivement, me semble-t-il, ce qui est le plus sensible, c'est l'information. Comment faire passer pour nous, et clairement et de manière compréhensible, nos intentions, nos limites, effectivement, et que ça se fasse dans une collaboration vers l'objectif de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et non pas simplement, effectivement, comme une coordination de chacun à sa tâche et vite, vite, je fais les choses. Je crois que ça reste le point sur lequel c'est le plus délicat. Et néanmoins, je pense que chaque psychologue a cœur de le faire correctement, mais que parfois, effectivement, il y a des côtés administratifs, institutionnels qui font que c'est très compliqué. Merci. Et Benoît, donc, en réaction, même si ça a peut-être été abordé déjà dans ton propos sur les interventions précédentes. Un petit point, il est indirectement lié au propos de tout de suite, mais il s'inscrit quand même dans notre échange, puisque l'idée qui me vient résulte d'un petit échange qu'on a eu à midi avec ma voisine et une curiosité d'observation, puisque madame me rapportait la façon dont, comme présidente de fédération, elle était attachée à soutenir avec sa fédération un regard partagé sur l'ensemble des handicaps portant des problématiques communes et avec la nécessité de soutenir ce regard. En le comparant avec un certain nombre de positions, d'associations qui souvent se réfèrent en termes identitaires à leur propre handicap. Et ça crée des dynamiques assez compliquées. Et j'étais frappé d'une certaine façon par le fait que, comme on le trouve parfois dans les jeux institutionnels, combien les psychologues, d'une certaine façon, fonctionnent aussi comme ça, combien il est difficile de les faire travailler ensemble, combien aussi peut-être des dynamiques résultent de la façon dont, du point de vue identitaire, chacun dans nos référents théoriques, dans nos pratiques, on est très attaché à défendre des secteurs, à défendre des méthodologies, à défendre des champs théoriques, et combien il est nécessaire aussi de croiser cet ensemble pour progresser, comme si ces deux aspects, d'une certaine façon, famille et professionnel, se renvoyaient en quelque sorte en écho ce même type de questionnement. Bien. Merci. Bien. Merci. Merci.